Good morning. Allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat Chayester, Bet Mirem, ainsi que le Fatou le Vissar, le Shemon Ben Chayester, Chamchat Mirem, Bet Ruzlena, et bien Ben Chavira, Bet Or, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi d'aider notre chaîne d'études de Mishnah, qui est dans 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet Eruvin Perek, Dalet Mishnahé. Mi Sheyashan Baderech Velo Yada Shecha Shecha, Yashlo Alpaim Amal Ekol Ruach. Divré Rabbi Yochanan Ben Nuri, Vachachamim Omrim, Enlo Ela Arba Amot. Rabbi Eliezer Omer, Yehu Ve'em Tza'an. Rabbi Yehuda Omer, le Eize Ruach Sheir Tseyelech. Au modé Rabbi Yehuda, Sheim Birer Lo, Sheno Yachol Lachazor Bo. Deux machlokot essentielles dans notre Mishnah. Et on commence d'abord avec le premier cas. Mi Sheyashan Baderech, celui qui a dormi sur le chemin, dans le chemin. Velo Yada Shecha Shecha, et il ne savait pas que la nuit elle était tombée. Ben, la Mishnah m'enseigne, Yeshlo Alpaim Amal Ekol Ruach, il aura quand même 2000 amas aux alentours de sa place, de là où il est, dira Rabbi Yochanan ben Nuri, tel est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nuri. Tandis que Vachachamim Omrim, Enlo Ela Arba Amot, Ramim nous disent qu'il n'a que 4 Amot. Je m'arrête là pour le moment, c'est la première marque-roquette fondamentale. Et j'introduis tout d'abord un principe que j'ai déjà répété plusieurs fois, maintenant on va comprendre pourquoi j'insiste tellement. Lorsque Shabbat entre, on est tous définis par ta place et 2000 amas aux alentours, ton domaine. D'accord? Ta place, c'est là où tu es. Ta place, sache que c'est pas juste l'endroit de tes pieds. Ta place, ça peut être même un petit peu plus. C'est les 4 amotes qui sont autour de toi. À part ça, maintenant, la Torah t'a aussi donné un domaine autour de ta place où tu pourras te déplacer, qui sont les 2000 amotes. De manière générale, lorsque je suis dans une ville, par exemple, mes 4 amotes, ma place, c'est pas juste mes 4 amotes, c'est toute la ville. Si je suis dans une pièce fermée, c'est toute la pièce fermée. Si je suis dans une ville, c'est toute la ville. D'accord? Et autour de la ville, on va me donner 2000 amas. On découvre maintenant dans notre Mishnah quelque chose de très fort, une marloquette sur le sujet, et que, selon Chachamim, le deuxième avis, me disent que pour pouvoir avoir les 2000 amas supplémentaires, il faut avoir une intention de les prendre. Du coup, celui qui a quelqu'un qui est en train de marcher sur la route, ça fait déjà plusieurs jours qu'il marche. Vous imaginez à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'indication. On marchait, il marche. Puis il était fatigué, il s'est reposé un petit peu. Lorsqu'il se réveille, Shabbat est déjà entré. Il s'avère que lorsque Shabbat est entré, il n'avait pas d'intention de prendre les 2000 amas aux alentours. On avait dit, la lacha pour celui qui se retrouve en plein désert, il a les 4 amas, c'est sa place. Et en plus, il a même le droit de marcher aux 2000 amas aux alentours de sa place. Lui, il n'a pas eu d'intention de prendre ces 2000 amas. Sur ça, Chachamim nous disent, à part Rabbi Yochanan ben Nuri, Chachamim me disent, ben, sache que tu n'as pas eu d'intention d'avoir les 2000 amas, tu ne les auras pas. Ta place, tu l'as. C'est quoi ta place? Tes 4 amas. Ça, la Torah l'a dit, shvu ishtartav. Restez chacun à sa place. À sa place, ma place, c'est pas que le lieu de mes pieds. C'est, là, concrètement, j'étais allongé en train de dormir. En réalité, c'est toutes les 4 amotes. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on va définir combien c'est exactement les 4 amotes. Parce que c'est 4 de tous les côtés. Après, on va voir plus en détail comment les calculer les 4 amotes. Pour le moment, c'est fondamental de comprendre cette halakha-là. Il y a ta place, et autour de ta place, la Torah l'a dit, Aliyetzeish Mimkomo, t'as quand même un périmètre autour. Ce périmètre autour, il faut avoir intention de l'acquérir selon Chachamim. Rabbi Yochanan ben Nuri me dit, non, même si tu n'as pas d'intention, tu pourras l'acquérir. La Gemara, elle explique, il y a un long Bar Tanoura, donc je synthétise ce qu'il y a écrit dans le Bar Tanoura. Il y a, à part ça, c'est pas à part ça, c'est la même machloquette entre Rabbi Yochanan ben Nuri et Chachamim, elle se retrouve encore dans une autre situation, à savoir des objets qui n'ont pas de propriétaire pendant Shabbat. Une flaque d'eau. D'accord? Peu importe. De quelque chose qui n'a pas de propriétaire. Il y avait des fruits posés par terre, Shabbat, qui sont efker, qui n'ont pas de propriétaire, ils sont tombés d'un arbre. Est-ce que, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov plutôt, comme ça, pendant Yom Tov, tu as même le droit de porter. Il y a une question générale. Est-ce que ces fruits-là, ils sont délimités eux aussi par leur place ou non? Je m'explique. Imaginez que, on va prendre, il y a moi et Réhouven. On est tous les deux habitants de Jérusalem, de Ramoth. Sauf que moi, j'ai mis un hérouve à la sortie de Ramot qui me permet de partir 2000 amas supplémentaires. D'accord? Donc j'ai le droit de partir dans la direction du nord de Jérusalem à 4000 amas. Tandis que lui, il est limité à 2000 amas, il n'a pas fait de hérouve. Imaginons qu'on a Yom Tov et qu'on trouve des fruits par terre.
Alors, à la sortie de le, à la, juste à la sortie de la ville, est-ce que ces fruits-là, dans la ville même, peu importe, est-ce que si je vais partir maintenant, j'ai prévu de partir pendant Shabbat, 4000 amas, est-ce que j'ai le droit de prendre ces fruits-là avec moi ou pas? Il y a sur ça une discussion entre Rabbi Hanan Ben Nouri et Chachamim, réciproque cette fois-ci. Rabbi Hanan Ben Nouri va dire non, c'est vrai que ces fruits n'avaient pas de propriétaire, mais lorsque Shabbat entre, même Heftze Efker Konim Shevita, même les objets qui n'ont pas de propriétaire, ils vont être définis par une place. Eux, ils n'ont pas fait de Hérouv les fruits. Les fruits, ils sont comme mon ami Réhouven. Ils ne peuvent pas sortir au-delà des 2000 amas. Ils sont limités par leur place. Moi, j'aurais le droit de partir en 4000 amas, mais j'aurais pas le droit de prendre ces fruits avec moi. Tandis que Chachamim vont dire non! Chachamim vont dire que quelque chose qui est Hefker, qui n'a pas de propriétaire, qui n'a pas d'intention d'acquérir sa place, sans ça que ça se rejoint, eh ben, n'est pas défini par un lieu. Il n'a pas de lieu. De ce fait, il y a une halakha maintenant par rapport aux objets, que lorsque moi je vais acquérir ces pommes et mon ami Réhouven va acquérir ses pommes, eh bien moi j'aurai le droit de prendre les pommes là où j'ai le droit d'aller. Et lui, l'ami Réhouven, il pourra prendre les pommes là où il pourra aller. Du coup, il va acquérir les fruits, ces fruits maintenant il pourra les apporter jusqu'à la 2000 amas uniquement. Moi, mes fruits, je pourrais les apporter jusqu'à 4000 amas. D'accord? Après, si on échange les fruits par exemple, je ne pourrais plus prendre ces fruits pour partir plus loin. Et inversement, d'accord? On touche en fait la cette marque de réciproque. Ça se rejoint en quoi en fait, Rabbi Hanan, les deux cas de figure. Il y a le cas de celui qui s'est inquiété en train de dormir en plein chemin, ou le cas des objets. Le point commun entre les deux cas est qu'on n'a pas d'intention d'acquérir. Rabbi Hanan Ben Nouri nous dit, malgré tout, même quand il n'y a pas d'intention d'acquérir, d'être défini par les 2000 amas, malgré toi tu es défini par les 2000 amas, ça c'est Rabbi Hanan Ben Nouri, tandis que Chachamim nous disent, que tu n'es pas du tout défini. Lorsque tu n'as pas d'intention, tu n'es pas défini. Donc, lorsque tu te trouves en plein chemin, tu n'as pas eu les 2000 amas. Et les fruits, eux, ils sont définis. Ils sont pas du tout définis par un domaine. Et de ce fait, ils n'ont pas l'occasion de rester à leur place parce que ce n'est pas des êtres humains que la Torah a dit Chou Ishtartav. Donc, du coup, celui qui les acquérera, il pourra les amener là où il voudra. Sans ça que ça se rejoint. Pour la halakha, c'est très intéressant parce qu'on fait quelque chose d'assez original. C'est que par rapport à celui qui dort en plein chemin, on tient la halakha comme Rabbi Hanan Ben Nouri. Tu t'es endormi, tu n'avais pas d'intention, malgré tout, tu pourras acquérir les 2000 amas. Mais les fruits, on ne tient pas comme Rabbi Hanan Ben Nouri, que Nirsefker, tout ce qui va être Efker, l'okonim shivita. Ils sont délimités par aucune limite, de ce fait, celui qui les acquérera, il pourra les amener là où il pourra aller. Tout ça, il explique en réalité que. Parce qu'en fait, on fait un petit peu un petit compromis entre les deux avis, on considère en fait que non, lorsque tu vas dormir, tu as quand même l'intention que. Tu vas pas rester sur place, donc du coup, tu acquériras les 2000 amas, comme la logique elle dit que tu souhaites les acquérir, même si t'as pas d'intention explicite. Implicitement, comment dire, inconsciemment, c'est sûr que tu as l'intention d'acquérir les 2000 amas autour pour ne pas rester bloqué sur place. D'accord? Comme ça, on retient pour l'alar. Maintenant, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu n'avais pas les 2000 amas, c'est général, ça peut être appliqué dans le cas de figure précis de notre Mishnah, ça va être réveillé dans tout autre cas de figure. Lorsque tu te retrouves en dehors du. Que t'as pas, que t'as, lorsque tu as juste tes 4 amotes. Comment calculer les 4 amotes? Sur ça, on a 3 avis dans la Mishnah. Je t'ai dit que tu as 4 amas. Mais 4 amas, ça veut dire 4 amas sur 4 amas. Alors, sur ça, on a 3 avis. Peut-être que je l'ai fait d'abord à l'oral, après on les revoit dans le texte. Tu as 4 amas sur 4 amas, donc 2 mètres sur 2 mètres. Rabbi Hanan Ben Nouri, toi tu es au milieu. Donc en fait, lorsque je te donne 4 amas, ça signifie que tu prends ta place, tu calcules 1 mètre de chaque côté, et comme ça tu fais les 2 mètres carrés. Tu fais les 4 mètres carrés, c'est-à-dire 2 sur 2. 4 amotes carrés, c'est-à-dire 16 amotes, tu es considéré comme toi, tu es au milieu. Donc ça c'est Rabbi Eliezer qui va me dire, Vous Ben San, il est considéré comme si il était au milieu. Rabbi Houda, lui, il va me dire, non, 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 tu as le droit de prendre plus que. Tu peux prendre 4 amas dans une direction si tu veux. Mais une fois que tu as décidé que tu prends les 4 amotes dans cette direction, tu n'as plus le droit d'aller dans l'autre direction. Et les Chachamim vont dire non, tu as 4 amotes sur 4 amotes de tous les côtés. Donc en réalité, en fait, je vais avoir 8 amas sur 8 amas. Il me laisse un petit peu plus de place. Tout ça, c'est écrit. Alors implicitement, quand Chachamim dit Enle la arba amot, il n'a que ses 4 amotes, du fait qu'il y a une discussion, on comprend que Chachamim, c'est un troisième avis en fait. Le partenaire, il explique tu as 4 amas sur 4 amas de tous les côtés. Rabbi Eliezer Omer Vu Ben Tzan, il a les 4 amotes, mais il est au milieu de ces 4 amotes. Tu fais un carré de 4 amotes sur 4 amotes, et toi, tu te mets au centre. Et Rabbi Yehuda, regardez qu'on a quand même les alachsones, les diagonales. Ouais.
On aura l'occasion d'en reparler encore plus longuement dans la prochaine Mishnayot. On verra exactement. Et les Zeruach et Rabbi Yehuda Omer, non. Rabbi Yehuda dit non, tu ne me limites pas. Les Zeruach et Irzeler, là où tu veux, tu iras. Tu pourras prendre quatre amotes devant, derrière, sur le côté, comme tu veux. Mais attention, au modèle Rabbi Yehuda, mais il reconnaît Rabbi Yehuda chez Imbirerlo qu'à partir du moment où il a décidé de prendre quatre amotes, il a été Mevarer, il a défini, il a précisé qu'il va vouloir prendre quatre amotes dans cette direction. Alors, chez nous, Yachol Achazorbo, il ne pourra plus revenir en arrière et dire « Non, je vais avoir les quatre amotes de l'autre côté. » Tu as défini que tu veux quatre amotes. Dans ce sens, tu les prendras, mais tu ne pourras plus les prendre de l'autre côté. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakol Tov. Salam.